m'avait confié. T'es un exemple de DIY, hein, de do-it-yourself, parce que t'as commencé ce projet-là de Navet Confit en exil. Tu t'étais exilé en Gaspésie, auprès de la Gaspésie. Et tu créais seul. Avec un vieux PC. En ermite. Mm-hmm. Ça, c'est difficile, ça, de créer tout seul, de se créer un univers seul, parce que tu as fait des centaines de chansons d'enregistrement comme ça. Non, mais c'est plus facile. C'est plus facile. J'imagine que ça dépend pour chaque personne, mais pour moi, ça a été plus facile comme ça. Mais tu t'es servi d'Internet pour te faire connaître. C'est ça, je lançais des petits EP qui étaient faits maison, du début à la fin, sérigraphiés. Oui. Dans un atelier, aussi dans un garage. C'est plus, finalement, les critiques que j'ai eues dans des médias alternatifs qui ont fait que ça a mieux fonctionné que ça t'a fait connaître. Internet, parce que MySpace n'existait pas. Non, c'est ça. Maintenant, il y a d'incroyables ressources. Et t'es un gars très polyvalent, puisque t'es multi-instrumentiste. Tu t'occupes aussi d'une nouvelle étiquette de disque qui s'appelle La Confiserie. Et Navet Confit, tu vas nous jouer Automne. N'avait confié automne. Suis-moi. D'accord. Attention, des ronces. Fait longtemps que tu sais que je me cache en dessous de mes bras.